général pour assise dans le côté gauche du premier ministre, parce que comme le gouverneur général, c'est lui qui donne le guide de la paresse, comme des chats qui décident comme ça de mieux, le directeur général du côté gauche. Donc, si on vit des mots, Van Dimoun, qui aide le parti et le gouvernement, pas des candidats cette fois-ci, mais pour nous dire l'expérience, notre contribution à la campagne et au service du pays plus tard, je pense que le député par le ministère de l'Opération Militaire a décidé de nous apporter. Il connaît un rôle très important pour jouer dans le futur. Je pense plusieurs camarades ont évalué à son équipe. Et à Boukhaz Nali, à l'ESNSN, il y a plusieurs. Je ne cite pas, mais il y a plusieurs candidats qui sont compétents, capables, mais qui ont le droit de jouer dans le futur. Très même de la liste candidat. C'est extraordinaire, ça démarrage sur le chapeau des roues. Dans le mec qui rite Indéo, il dira, demande à un camarade, tu vas être capable d'être candidat, prends il fait les teufs, tous les deux grands partis. Mais nous comptons aux autres. Est-ce que vous pensez que du fait qu'il choisit ça sur son candidat là, et il y a des gens qui pensent que ce qu'il y a la liste pour aller, et si ben là aller, est-ce qu'ils peuvent continuer à bon débat ou alors vous pensez éviter ça dans cette situation? Donc, ça, nous, il n'y a pas de travail sur le pays, dans MMM également, nous ne sommes pas nés jusqu'au ministre, nous ne sommes pas partis qui ont basé nos certains principes, certaines valeurs. Il y a un petit monde qui malheureusement n'a pas fait carré quand il est là. Pas peut-être c'est la fin du monde. Vous pouvez là, le docteur Mangor, par exemple, participant de la fin de l'année, on peut tirer le bénéfice de leur candidat. Mais quand il faut une analyse, un travail, ils ont des choses. Vous pouvez dire que c'est pas la fin du monde. Il va y avoir un chômage qui a arrivé là, qui est une partie candidat en 2000. Parti candidat 2005, donc 10 années, il est en dégoût. Mais, il est un candidat en 2010. Tout parti, déjà, j'ai un peu renouvelé aussi. Par rapport à moi aussi, mon trouvé un peu plus jeune, une jeune défaut spéciale, madame, et René Maurice étant ce qui était, une jeune balance également, et tous les émotions de jeu, je vais présenter dans l'alliance, parce que ça va être le même. Par rapport à on attend absolument pas toujours une bonne part. Et moi, je serais qui est énorme. Il va falloir aller très peu et éliminer là. Si ça, c'est toi, c'est le choix. Pourquoi tu me cites un des noms, étant donné la venue ici, un des noms du côté travail ici, pour permettre de citer un des noms de mon côté. Bon, il y a un des bons débats. François, c'est une allèle. Un des bons débats. Pourquoi pas avoir la d'autres, mais il y en a comme ça. Mais il y a un monde qui va pour candidat, qui joue un rôle très important, mon ami Frédéric. Moi, je suis content de saluer en particulier deux camarades qui sont et Yann Makan. On vient discuter avec eux, on vient tomber d'accord. Et on discute avec l'ami Fouchi d'ailleurs. C'est tous les deux qui jouent un rôle très très important dans cette institution. Mais il y a un vétéran aussi, pour saluer, comme Dave Ramna, sous des scoupanes, moi il y a un monde. Moi, un vétéran, il va demander un petit soubouillade, comme Vinay Kounjad, et Robert Anglais à 4 mois. Ça m'a dit tout en particulier, mon pensée spéciale et reconnaissement spécial pour eux. Monsieur le Premier ministre, au numéro 12, vous mettez monsieur Rappel. Donc, est-ce que monsieur Vincent Benoît-Rip est toujours de ce coup de mai au parti travailliste? Monsieur. Campaign manager, M. Afat Choi, démissionné. Donc, ça n'a pas remplacé. Et aussi, un commentaire sur l'attitude, vu qu'il n'est pas bien étiqueté au numéro 1. Au final, pour la sanction avec lui, moi, il se dit qu'il est sur une entreprise, sur une des deux traits, sur son vie, dans les années, dans les années, dans les années, pas capable, une alliance, on n'est pas capable. Et moi, il se dit qu'il est parti et qu'il n'est pas en place.
Daniel, sinon. On a quand même un jour avant des pro-candidatures. Est-ce qu'il ne peut pas avoir aucun fine-tuning d'ici là, dans la question présentée d'autres? C'est obligé, cette semaine, il manquait pas une levée de bouclier par rapport à la déclaration qu'il avait moi je me fais dimanche. Donc je suis attendu d'ailleurs la liste candidat finalisée pour dire qui candidat a voté, que ça n'a pas voté. Je voulais dire nous qu'il disait que ce n'est pas candidat, c'est pas une communauté candidat qui communauté de société. Nous disons que c'est un programme gouvernemental qui s'en a voulu pour réaliser la réélection. Mais malheureusement, il y a des bons numéros, naturellement, parce que je veux dire tout bloc. Pourquoi on choisit pas si on fait ça, tous les autres gars, on fait des affaires, de la bouger pour la guerre. On lui veut dire qu'il nous chaque échec. Il faut vraiment deux voix, il faut être violent vis-à-vis de l'autre. Donc, plutôt qu'il y ait triste, on constate qu'il y a triste en 2014, qu'il y a une organisation de l'autre, il appelle à une vote communale. Tout de suite, on a ajouté des années, une grande communauté, par contre, j'ai dit, j'ai une communauté, ça. Des années, moi, je connais qui c'est un peu de créole. Et dans le cadre musulman.